Et re-bienvenue dans la suite de notre aventure sur Alice avec le bateau qui s'est écrasé. Et la simili tortue qui pleure. Ah, une nouvelle robe. Mon corps me fait mal de partout. Nous avons chu trop vite. Mon bateau n'est plus qu'une épave, tout comme moi. Vous êtes resté jusqu'au bout. Quoi qu'il en soit, je ne vous ai pas connu marin. Dans mes souvenirs, vous étiez chef de garde des voies du miroir. On voyait des chemins de fer, sans prime, curieux dialogue social. Jamais de congé, jamais un seul retard. Nos voies divergent, serrons-nous la main. Quand si j'en avais une, plus de voies du tout, je dirais. C'est une catastrophe. Je suis sans train, des voies sans entrain. Mais il y a chose à un train d'enfer. Mais tout ce que j'ignore ne m'atteint pas. Voilà tout, mieux vaut ne pas savoir. Oh. N'en parlons plus. Mieux vaut éviter certains sujets dans tous les sens du terme. Quand même un beau bateau. Dans ce cas, connaissez-vous ce nouveau train en tant que complément ? Tu ne respectes pas la souffrance des autres. Adresse donc tes questions et tes traits d'esprit au bon Bix. Désolé, amiral, vraiment. S'il vous plaît, dites-moi tout ce que vous savez. Je sais juste que nous avons échappé à l'infection. Tu devrais t'estimer heureuse d'être arrivée ici. Je ne veux pas m'échapper. Je veux l'arrêter. Je dois l'arrêter pour guérir. Et pour guérir cet endroit. Absurde. Vraiment absurde. Tout n'est que diversion, divertissement, chaud d'hiver. En parlant d'hiver... Vous chauffiez. Oui, j'en viens au chaud. Voici un billet pour le spectacle du charpentier. Prends-le. Ouais, bon. Du coup, allons dans le... Dans le spectacle du charpentier, on peut admirer la nouvelle magnifique robe d'Alice. Une robe sirène, hein, j'ai envie de dire. Elle est vraiment belle. Alors, est-ce que du coup, par là, il y a des trucs... Ouais, c'est mi-tortue. Et il y a des... Donc du coup, on est sous l'eau, alors. Donc Alice peut respirer sur l'eau. Sous l'eau, pas sur l'eau. Parce que tout le monde peut respirer sur l'eau. Ça, c'est... C'est moins dur que de marcher sur l'eau, aussi. Tac. Et... Une coiffe tout à fait grotesque. Si je possédais un accessoire aussi informe, je le brûlerais. Détruisez toute trace de lui et niez son existence. Je veille à ma réputation. Détruit une coiffe avec du feu. Est-ce que ça serait lui qui aurait détruit la maison d'Alice? Mais dans quel but? Oh, la tête de faucon du bateau. D'ailleurs, je sais même pas si le bateau avait un nom. Ah. Hop ! Excusez-moi. Je suis comme Alice, je suis bourré. Et... Bon. Bah y a un trou qu'on peut choper que quand on est petit apparemment. Enfin petite. Ah, village. Le village des Gungan. Et les Gungan, la principale est pas Gungan. Épisode Star Wars, épisode 1. Souvenir. Alors j'entends un cochon. Question est, où est le cochon? Il est là. La question est, est-ce que je saute pour avoir le cochon ou est-ce que je vais à droite pour avoir la bouteille? Je vais à droite pour avoir la bouteille. Il va falloir que je recherche quand même sur internet à quoi elle sert cette bouteille. Ça se trouve, ça ne va à rien. Ça sert juste à avoir une bouteille, quoi. Du coup, les cheveux qui sont en l'air, vu qu'on est dans l'eau, c'est plutôt pas mal. J'ai voulu taper la bouteille. Coffre. Alors oui, j'ai passé un peu de temps en étant... j'allais dire accroupie ou assise, mais en étant petite, parce que là, je joue. Il fait jour, il fait beau, et comme il fait beau, je vois pas grand-chose sur mon écran. Alors j'aurais pu tirer les rideaux, fermer les volets,
Mais non, il fait beau et je me suis dit autant en profiter et amener un peu de soleil dans ma chambre. Parce que je ne crains pas la lumière du jour, je ne suis pas un vampire. Hein. Bon, après, je suis comme tout le monde, hein. Si je m'expose trop longtemps au soleil, je brûle, hein, mais. D'ailleurs, ça se trouve, c'est bien. Il y a des gros pics quand même dans ce coquillage. Et merde. J'ai eu les dents. C'était le but. J'ai 659 dents, donc. C'est-à-dire que je peux améliorer mon cheval bâton. Oh, en rouge. Il est beau. Ça sera sorti avec mon... Avec le moulin à poivre. Ok, alors ça c'est beau, mais je passe par où maintenant? Je passe par là? Je crois que j'ai pas le choix. Les blanches peut-être... Ouais, les blanches peuvent aller dessus. C'est bon. Alors je me souviens qu'ici, j'avais... Enfin... Quand j'y avais joué, j'avais loupé des trucs ici. Dans ce monde-là. Faut dire que dès le début on a vu, hein, ça se split en deux déjà. De toute façon, j'ai dit que finir à 100% des débuts là c'était loupé vu que j'avais loupé un cochon. Et là il y a une porte en feu, allons-y. Dans de l'eau d'ailleurs, porte en feu dans de l'eau. J'étais la dernière dans la bibliothèque la nuit de l'incendie. La cheminée ne brûlait plus que je suis allée me coucher avec Dina. Si j'ai mal éteint, je suis peut-être responsable de leur mort. Ça se trouve. Ça se trouve, elle a mal éteint le feu, du coup, elle s'est rallumée. Et du coup, c'est comme ça que leur maison, elle a brûlé. Wouah. Je sais pas. Si vous pensez que c'est possible, envoyez possible au 3680. C'est clairement là-bas qu'il faut que j'aille. Alors ça c'est quoi? Ça c'est une plateforme. Est-ce que la plateforme bouge? Non. Quand même bizarre là, il y a une maison, il y a une clé, une maison. Une clé et la maison. Ok, la maison c'est le souvenir, mais la clé. Non, je ne vois rien. Bon, on va avancer, hein, c'est peut-être plus loin. Alors, ça c'est quoi? Ah, ça c'est. Oh, ça c'est bon. Entendre quelque chose. Ah ah! Fantôme! Apparemment, il faut tirer dans les bombes, mais pour l'instant, je suis pris comme un manche à balai. Eh merde. Eh mince. Tiens! Allez, meurs! Immonde créature. Non plus. Je vais pas. Ah, je me perds dans mes touches. Il est mort? Il est mort. Bien. Ah bah les v'là. Si, il fait bien passer par là, il y avait juste des plateformes invisibles. Et les méduses rouges avec des piquants. De toute façon, tout le monde sait que les méduses, ça pique. Bon, je l'ai pas redit récemment, mais je... Je suis heureux que tu les aimes, Alice. Mes photographies ne sont que des imitations. Seul un grand peintre capture l'image. L'appareil m'aide à approcher cela.
Sûrement à l'époque, mais bon, maintenant, avec les photos qu'on fait. Donc j'ai dit... Bon, bah, j'ai dit que je suis tombé. J'ai dit que je l'ai pas encore dit, mais c'est vrai que là, au niveau design artistique et level design, il est vraiment... vraiment bien fait dans ce jeu. Ils ont vraiment poussé... Ils ont bien réfléchi, quoi, pour faire leur jeu. Ils sont pas allés à l'arrache. Puis au moins, leur jeu, il dure un peu plus de 10 heures. Hein. Puis bon, c'est un jeu solo aussi. Heureusement. Pas que ce soit un jeu solo, hein, mais heureusement que ça dure quand même un certain temps pour un jeu solo, quoi. Parce que sinon... avec la mode de Call of Duty, tout ça, là... Après, c'est sûr, faut aimer les jeux qui jouent en multi. Moi, personnellement, c'est pas trop mon délire. Alors, je suis ici. La plateforme, elle est là. Prochaine plateforme, elle est là. Elle est là. Oui, elle est là. Des dents. Plein de dents. Tellement de dents. Un cochon. Allez, c'est parti. On fait le chemin. Bon, du coup, je suis en train de penser, mais cette semaine, vous allez avoir beaucoup d'épisodes d'Alice, du coup, bande de vénards. Alors, j'ai entendu un cochon par là. Est-ce qu'il est visible ? Et ils volent pas, non, ils volent pas, ils doivent peut-être être là-haut. Il faudrait que je trouve un moyen d'aller là-haut. Non, c'est pas ça là. Ah, il est trop vite. Si, il est là. Je l'ai vu. Ah, purée, la plateforme elle bouge. Alors, sur cette plateforme là, moi je suis sûr qu'elle bouge pas. Alors du coup, comment on monte? On monte en reprenant la plateforme bah, qui bouge justement. Allez hop, c'est parti. Hop. Du coup, on retourne par là et j'avance vraiment petit à petit. Hop, hop. Oh purée. Non. J'avance vraiment pas beaucoup. Mais bon, c'est ça hein, qu'on veut tout explorer d'un coup. Faut bien qu'on explore. Hop. Yeah. D'aujourd'hui, c'est vais-je réussir? Il me reste plus qu'un saut. Oui, il y avait une plateforme invisible, j'avais totalement oublié. Ouh, bon, allez, on avance. C'est parti. Encore un bouton. Il n'y a que ça, des boutons ici. D'accord, c'est parce que je suis revenu en arrière. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Mec qui se rassure lui-même. Trou de serrure à gauche. Là. Ah non. Ah tiens, c'est... J'ai cru, mais non. Là, il y a des coffres. Les coffres, je peux les péter qu'avec le cheval bâton. Alors j'ai essayé avec le couteau, je sais pas si vous avez fait attention. Mais avec le cheval bâton, bah ça... avec le couteau, avec le glaive vorpalin, ça n'a pas passé. Ça fait comme si je tapais quelque chose de solide, comme le mur, par exemple. Ça fait comme si je faisais ça. On est même pas encore. Là, j'y arrive. Tiens, mais regardez. Vous voyez ce que ça fait? J'essaie de taper avec le couteau, ça marche pas. Avec le cheval bâton, là, ça marche.
Toc. Allez, c'est parti. Nous arrivons devant le village, au fond de Kek. Le village fond de Kek. Et un chat. Que cache cet amas poli de ronds de pattes? Des horreurs, je parie. Et sauvegarde, sauvegarde, pas de sauvegarde. Oh, t'es moche. C'est un poisson en même temps. Pas que les poissons sont moches, hein, mais lui, il est vraiment moche. Toc, toc, toc. Alors. Il fait des bulles. Il semble avoir vu des trucs qui étaient cassables, non? Alors lui, il est encore... Ah, un cochon. Là. Rien, merci à la caméra. Pourquoi il y a de... Ah, ça c'est bizarre. Voilà, il y a de la fleur. Alors on y va. Ah, un autre truc qui me permet d'avoir un... Ah, et une sauvegarde. Bon, bah. Du coup, on va se garder cette épreuve là. Pour la suite de notre aventure pour le prochain épisode, et je vous dis au revoir et à la prochaine. Salut.